en fait. Je sais pas trop comment les gens ils font quand tu vlogs avec une mère. Là, j'ai plein de thé. Hein. En fait, là, je m'y mettais parce que le thé, ça faisait un bon moment que je n'en pouvais pas. J'ai mis avec le sel et le poivre parce que pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment trouvé comment ranger tous les trucs. Je vais prendre un thé à la menthe. Puisque maintenant, j'arrive à reboire du thé, donc. Il y a le chat qui fait bordel en bas, pas possible. J'ai toujours pas de bouilloire. Donc, du coup, je fais chauffer l'eau dans une casserole. Merde. Regardez. En fait, là, il y a une place exprès pour la vaisselle. Et le chat, il n'arrête pas d'aller en dessous, en fait. Et il va sous le meuble. Hier soir, on était. Marc a eu tellement peur parce que du coup on l'a appelé, mais il ne répondait pas parce qu'il était coincé en dessous du meuble. Et il n'arrivait plus à ressortir. Du coup, ma famille. Comment ça s'appelle? Notre machine à plancher et aussi un petit. Comment on appelle ça? Et ça, et ce truc, voilà. Pour que le chat ne puisse pas passer en dessous. Et là, il essaie de passer en dessous de toutes les manières qu'il peut. Mais il n'arrive pas parce qu'il est trop grand maintenant. Donc voilà quoi. Je suis en pyjama, donc ne faites pas très attention. Et le linge, on l'a fait rentrer hier parce que hier, il y avait beaucoup de vent à Marseille. Donc du coup, là, j'avais peur que dans la nuit ou le matin, qu'il y ait du vent. Donc j'ai demandé à Chaton de rentrer le linge et je vais le ressortir dehors parce que. Dans l'appartement, ça cette tasse, c'est une copine qui me l'a offert pour madame mon bébé, mon gender revelation. J'aime trop. Donc, merci petite Pauline. Donc, pour ce matin, ça va être un thé, tea out, les tiers à la vanille et le petit moelleux comme ça, de la marque Lu. Et bien sûr, mon verre d'eau. Je vais aller chercher après. Sinon, en ce moment, j'ai tellement de choses à faire comme il faut que j'achète des vêtements. Ah oui, je ne vous ai pas dit à ma soeur qui va se fiancer, qui va faire son mariage religieux. Et j'ai toujours pas de vêtements pour moi ni pour chaton. Donc, il va falloir que je sorte de chez moi demain, je pense. Demain, c'est jeudi. Demain matin, je vais sortir de chez moi le matin pour aller vite fait au marché, pour aller acheter du wax. Parce que pour le vendredi, parce que ça se passe en 2 jours, un peu comment. Pour le vendredi, il va y avoir le religieux. Le samedi, parfait. Le samedi, il va y avoir un sabbat. Donc, du coup, pour le sabbat, j'ai une robe que je peux porter. Il faut juste que je ramène chez les tailleurs pour qu'ils me l'agrandissent au niveau de la poitrine, puisque j'ai grossi de la poitrine. La poitrine aussi au niveau de la taille, ouais, au niveau du bas, du haut du ventre. Donc, ça, c'est pour le mois de novembre. Et dans 2 semaines, même pas, dans 10 jours, j'ai une copine qui se marie et j'ai toujours pas de robe. C'est sur Lyon. Donc, on va partir à Lyon vendredi soir et on revient dimanche. C'est Sarah, ma copine Sarah, celle qui vend Mimi Cosmétiques, celle qui vend des produits cosmétiques, voilà. Elle se marie à la mairie, elle a fait un halal aussi, donc là c'est la mairie qu'elle va faire. Et du coup, il va falloir que j'aille me trouver une robe que j'ai toujours pas trouvée alors que c'est dans 10 jours. Je fais trop les choses en retard, je crois. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas trop le temps en ce moment, c'est vraiment la misère, la misère, la misère. Avec le déménagement qu'on veut voir chez moi, c'est le why, il y a des cartons partout. Je vous montrerai après, mais regardez rien que dans mon entrée déjà. Il y a des cartons partout. C'est abusé. Il faut que je range tout ça. Je vous laisse, je vais déjeuner tranquillou. Et puis, je reprends le vlog tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Là, il doit être midi et je suis en train de me faire des tresses. Regardez. Je sais pas si vous pouvez voir. Je suis en train de me faire des tresses parce que mes cheveux, ils sont trop. J'arrive plus à me coiffer en fait. Je sais plus comment me coiffer. Donc, du coup, je me fais quelques tresses. Comme ça, au moins, je suis coiffée puisque la semaine prochaine, j'ai un mariage. Donc, voilà quoi. Je vais faire mon allure. J'espère que je vais terminer aujourd'hui. Même si je suis fatiguée, il faut vraiment que j'essaie de terminer aujourd'hui. Ça serait bien. Comme vous voyez, je vous disais, il y a trop. J'ai plein de cartons encore chez moi. Vous voyez, là, il y a les cartons. Il n'y a que le salon qui est plus ou moins correct en fait, on va dire. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Il n'y a que le salon qui va être plus ou moins correct. Mais tout le reste de la pièce, c'est le wall complet. Et là, je me suis mis dans mon hall d'entrée avec mon miroir que j'avais dans mon hall d'entrée, dans mon ancien appartement. Et tous mes mèches. Voilà.
Ça fait plus de 3... depuis ce matin, à 9h30, je commence à me maîtriser. J'ai fait une pause à midi et demi, j'ai mangé. Et là, il est, je crois, il est 3h. Je regarde le deuxième téléfilm. Depuis genre 6-7h, je me coiffe. Je suis crevée, j'en peux plus. Du coup, j'ai décidé de faire une petite pause. Voilà, c'est pour ça que je vous prends avec moi et vous montrer comment ça avance. Regardez ce que ça donne. J'aime trop. Ça change un peu parce que du coup, là, mes cheveux naturels, eh ben, j'en pouvais plus. Voilà quoi. Et le chat, depuis tout à l'heure, il dort. Vous voyez ça, comme c'est dingue? Je crois que ça fait au moins 3-4 heures qu'il dort en fait. Il s'est réveillé au moment que je mangeais et puis là, il s'est recouché. Il n'arrête pas de dos. Dites-moi si votre chat aussi dort autant parce que le mien, en ce moment, il dort beaucoup. Je sais pas si c'est parce qu'il est en pleine croissance ou pas. Voilà, là, je suis dans mon canapé. Et je me repose un peu parce que je suis trop KO. Mon ventre n'arrête pas de bouger. Je suis toujours en pyjama. Je me laverai que quand j'aurai fini de faire mes tresses. Mais je suis pas maquillée, hein. Là, je suis naturelle à 100%. Mais j'aime trop, j'aime bien ce que ça donne. Je pense que ce chaton, ça va lui faire plaisir parce qu'il aime bien me voir avec des tresses bébé. Il aime trop les tresses. Il me reste ça à faire. Peut-être que j'en ai pour... En temps normal, si je n'étais pas enceinte, là, je pense que j'aurais déjà fini. Mais là, comme je suis enceinte et que je suis obligée de m'arrêter tout le temps, je pense que dans 2-3 heures, j'aurai fini peut-être. Si je reprends d'ici 10 minutes, je me repose encore un peu 10 minutes et puis je reprends. Voilà, donc d'ici ce soir, j'aurai terminé. Et après, il va falloir aller dans l'appartement pour faire le ménage dans l'ancien appartement parce que je dois le rendre vendredi et on n'a pas fait le ménage. Et mon père va venir chercher le frigo qu'on a là-bas pour le ramener au bled pour ma mère. Donc là, ça me fatigue un peu. Je sais pas trop si je ferai le ménage aujourd'hui. Vu que j'ai passé toute ma journée à travailler. Et chez moi, mais j'ai pas fait de la... Pardon. Excusez-moi. Et chez moi aujourd'hui, j'ai rien foutu. Les cartons sont toujours là, qu'on voyait dans le couloir. Ici, dans la chambre aussi, pareil. Mais attendez, je vais vite vous montrer. Je suis en short, hein. Comme vous voyez, c'est le bois chez moi. Là, j'ai mon petit coin. Salon de coiffure avec mes mèches, mon miroir, le peigne, tout quoi. Le chat qui dodo. On est là en couloir. Comme je vous disais, il y a le wipe partout. Vous voyez? Il faut que je range tout ça. J'ai tout ça rangé. C'est un truc de fou. Et pareil dans la chambre de bébé chaton aussi. Attendez, j'allume. La chambre de bébé chaton, pareil, regardez. Je me spoil un peu la déco. Il y a un mur que j'ai fait en bleu. Je sais plus comment on appelle ce bleu. Je regarderai pour de peinture. Regardez tout le white. Donc j'ai tout ça arrangé. Et notre chambre, je sais pas trop si je voulais montrer. Ça donne ça. Pour l'instant, on a le lit et on a un carton qui traîne. On a sorti la couette parce qu'en ce moment, depuis 2-3 jours, il commence à faire frais. Donc, du coup, je commence à avoir froid. Voilà, ça donne ça chez moi. La qualité, elle a l'air un peu bizarre, non? Voilà, là, on voit mieux. Ça y est, je viens de terminer. Il est 19h. Je suis crevée. Il y a les petites traces qui sont défaites, en fait, mais je vais les refaire. Après, je mets dans l'eau chaude. Et ensuite, débarrasser tout là. Mais je pense que je vais d'abord débarrasser parce que là, j'ai le wipe. Pas possible. Regardez-moi tout ça. Plein de mèches par terre. Je vais tout débarrasser, tout jeter dans la poubelle. Ah, je me suis levée trop d'un, trop vite. Voilà, ça donne ça. Vous voyez là, la glace? J'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Attendez, on va essayer de voir de la glace que ça donne. Vous voyez là? Le dos, ça donne ça. Moi, j'aime bien perso. Je trouve que ça fait bien, non? Que vous en pensez? Maintenant, il va falloir que je débarrasse tout. Je range un peu et après j'attends chaton. On va aller dans l'autre appartement parce que, comme je vous ai dit, mon père il doit passer. Et on va essayer de faire vite fait un peu de ménage, même si chaton il dit qu'il est fatigué. Puis je rentre et je prends une bonne douche ou un bon bain ce soir. Parce que j'ai une baignoire maintenant. Ma voix elle a l'air pétée, un truc pas possible. Je suis crevée. Le chat, ça y est, il s'est réveillé.
s'est réveillé et voit mon thé. Et oh, j'ai bu un thé tout à l'heure pendant que je me faisais des tresses. Tu dis bonjour, Mané? Ou bonsoir, je sais pas. Pas trop envie. Je crois qu'il a mis ses pattes dans mon verre de ma tasse de thé. Ce soir, je crois que ça va être du poisson pané. De toute façon, je vous montrerai tout ça. J'essaierai de vlogger pendant que je vais essayer de faire à manger. Voilà, je vous laisse. Comme ça, je débarrasse vite fait tout ça. Et je me prépare. Je vais mettre au moins un pantalon parce que je ne vais pas aller en short pour aller faire le ménage. Je vais vite fait un pantalon, mais je laisse le haut de mon t-shirt. À tout à l'heure. Alors, Mireille, ça s'est arrêté. Là, on se retrouve, c'est le soir. Château est rentré. Je vais nous faire du poisson pané au four. Je vais sortir ma pièce sulfurisée que je vais mettre sur les plats. Du poisson pané avec des potatoes ou avec des frites. Comme j'ai super faim, je vais d'abord faire à manger, mettre la bouffe au four et après, j'irai prendre ma douche, le temps que ça soit cuit. Et après, je vais sous la douche. Parce que je pense que là, je vais prendre un bain parce que je suis un peu fatiguée. Si je me dis, si je prends un bain, je vais être vraiment très KO. C'est du poisson pané de le Colin d'Alaska, comme ça. De la marque Auchan. Alors, comment ça marche? Préchauffer le four et laisser 10 minutes. Et ça. Et les potatoes, c'est pareil, donc je vais mettre les deux en même temps, puisque du coup. De quoi? T'as pas très faim? Ça va. Château, il vient de rentrer, il a fini à 20h aujourd'hui. Il a commencé à 6h du matin. À 6h, t'as commencé? 6h50 et il a fini à 20h. Donc là, je l'embête pas trop. Je lui demande pas de faire à manger ou autre chose. Deux poissons panés, bébé, ça te va? Comme ça? Pas trop de potatoes. Hein? Allez, allez. Ça va. Alors, le four, c'est bon. Il a marqué 220, les deux. À mi-hauteur, donc c'est parfait. Et pendant les 10 minutes que je mets tout ça au four, j'irai sous la douche, moi. Hein? Attendez, il faut que je décroche à mon père qui m'appelle. Désolée à mon père qui m'a appelé, comme je vlog avec mon téléphone, donc du coup je peux pas te faire. Donc voilà, notre repas de ce soir, ça va être deux poissons panés chacun et des potatoes. Tu veux que je regarde quoi? Il est 21h, je crois 21h30 à peu près. On a fini de manger, je suis allée sous la douche. Je remets mon collier correctement. Je suis allée prendre ma douche et là on se retrouve dans mon bureau, dans le bureau chambre d'amis. Je vais mettre, d'abord je vais passer l'eau de rose sur mon visage, je vais faire ma petite routine du soir. L'eau de rose, me mettre de l'huile parce que quand j'ai fini de prendre ma douche, comme Château était pressé, qu'on avait le petit poisson pané qui est au four, donc du coup on a d'abord mangé, j'ai pas eu le temps de me mettre mon huile. Je vais mettre l'huile sur le ventre et sur tout le corps parce que j'ai la peau super sèche en ce moment. Et sur le ventre pour ne pas avoir de vergetures. Passer ça sur mon visage, comme vous savez, pour ceux qui me suivent sur Snap, d'ailleurs ils doivent le savoir, je passe ça tous les matins, tous les soirs sur le visage. C'est l'eau de rose avec un coton. Et en crème de nuit, j'utilise la crème précieuse chez L'Occitane. Voilà. Et je voulais vous parler d'un produit que j'ai reçu via Octoly. Ça m'a été offert par Givenchy. C'est une base matifiante. Je l'ai prise parce que, avec la grossesse, en fait, j'ai la peau qui est super grasse. Donc, du coup, je l'ai testée pendant plus d'une semaine. Mais je crois que ça m'a sorti des boutons. Donc le produit lui-même est super bien. Franchement, c'est bien. Le produit est bien, mais moi, je crois que ça ne me convient pas. Le matin, quand je mets, ça reste vraiment jusqu'au soir. Ma peau reste plus ou moins matifiée, on va dire. Voilà. Mais le soir, je me suis rendu compte qu'au bout d'une semaine, j'avais des poussées de boutons et je crois que c'est à cause de ça. Je voulais l'essayer parce que avec la grossesse, j'ai la peau qui devient super grasse, en fait. Mais je pense que ça ne me va pas trop. Donc, du coup, je vais retester à ma soeur aussi pour voir ce qu'elle en pense. Mais moi, ça ne me convient pas. J'ai tourné mon téléphone parce que... Comme ça, je me servirai de cette image pour le mettre sur YouTube pour bien prouver que je l'ai testé pendant une semaine. J'attends, je parle.
Mais personnellement, voilà. Moi, ça me convient bien. Mais je vais faire tester à ma soeur et puis je vous dirai ce que ma soeur, elle en pense. Voilà, je l'ai reçu par Givenchy via Octoly. Merci beaucoup, Octoly. Je me suis inscrite sur Octoly pour avoir droit à des produits gratuits. Comme tout le monde, quoi. Voilà, je suis trop contente. C'est le premier produit que je reçois d'Octoly. Et là, normalement, je devrais recevoir une bougie de ma jolie candle. Qui sent fleur de cerisier, je crois. J'adore l'odeur de fleur de cerisier parce que chez L'Occitane, on vend des produits à base de fleur de cerisier. Et c'est une odeur que j'équipe trop normalement. La bougie, je devrais l'aimer. Voilà, donc ça. Ou sinon, je vais vite essuyer mon visage avec mon eau de rose. Je suis assise par terre. Hein. Je suis assise par terre, je suis ici parce que j'ai pas de miroir dans ma salle de bain, je crois que je vous l'avais déjà dit. J'ai pas de miroir dans ma salle de bain encore, donc du coup le miroir se trouve que dans le bureau. J'utilise le bureau pour me maquiller, j'utilise le bureau pour m'habiller, j'utilise le bureau pour tout quoi. En ce moment c'est l'endroit que j'utilise. Avec tout le bordel bien sûr. Là c'est une boîte de chaussures qui est ouverte. Je vais dégager ça parce que ça ne fait pas trop. Et mes traits, j'ai terminé, mais c'est en train de se défaire au bout. Demain je m'essaierai de mettre dans l'eau chaude. Voilà. Je fais un peu sécher et ensuite, je me mets la crème. Cette crème, j'avais arrêté au début de ma grossesse parce que je n'aimais pas du tout l'odeur. C'est à base d'huile d'essentiel d'immortel. Je sais que l'huile essentielle, c'est pas bien. Mais là, c'est que pour le visage, donc c'est pas très grave, quoi. Normalement, c'est pas très grave et mon bébé va très bien. D'ailleurs, je devrais faire ma vidéo de mes 6 mois que j'ai pas fait du tout. Parce que là, je suis dans mon 7e mois. Je vais être à 30 semaines là. Et j'ai toujours pas fait de vidéo. Et j'ai même pas pris de photo de mes 30 semaines tellement que j'étais fatiguée. 29 semaines, je crois que j'ai fait une photo. Mais à 30 semaines, j'ai pas fait de photo. Parce que j'étais trop fatiguée. Avec le déménagement, les travaux, ça a été super dur. Donc, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Comme ça, je vais pouvoir me mettre mon huile tranquillement sur mon bidou. Parce que je peux pas vous montrer mon bidou, quoi. Parce que là, je suis en pyjama robe. Donc, pour mettre l'huile sur le bidou, il va falloir que j'enlève mon haut. Sur le bidou, sur les seins, aussi sur les fesses. Je vais clôturer ce vlog ici maintenant. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser des commentaires. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous aimez bien mes vidéos. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.